Depuis qu'ils ne font plus partie de l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL diffusée sur TF1, Amandine et Alexandre Pélissard s'affichent sur les réseaux sociaux. Après avoir révélé leur reconversion dans le X, ils ont récemment annoncé l'arrivée d'un bébé. En effet, Amandine Pélissard est enceinte de son 9e enfant. La famille, qui vient d'aménager dans une nouvelle maison, va donc s'agrandir. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que chaque prise de parole publique est propice à une énième polémique. La dernière en date concerne le cadeau fait par le couple à leur fille Léna, qui vient de fêter ses 11 ans. Pour marquer le 11e anniversaire de leur fille, Amandine et Alexandre Pélissard ont cru bon de lui offrir du maquillage. Or, ce n'est pas du goût de certains internautes qui ont vivement critiqué cette décision et qui ont estimé que ce cadeau n'était pas approprié à l'âge de la fillette. Dans une vidéo live sur Instagram, Alexandre Pélissard s'est défendu. J'ai vu des messages pas trop cool parce qu'on lui a acheté du maquillage. Et alors, a réagi le père de famille. Elle ne se maquille pas pour aller à l'école déjà. Si est-il son premier maquillage, si est-il mignon. Ce n'est pas grave, a-t-il poursuivi. Si est-il ce qu'elle voulait, a précisé Amandine Pélissard. Chacun fait ce qu'il veut lors de ce live sur Instagram, Alexandre et Amandine Pélissard ont souhaité se justifier sur le choix de ce cadeau, minimisant le fait d'offrir du maquillage. On a reçu pas mal de messages nous disant qu'elle était trop petite ou que ça ne se fait pas du guerlain à son âge. On a voulu lui faire plaisir et elle était contente, a précisé Alexandre Pélissard ajoutant, tant que ça lui fait plaisir, après, le reste on s'en fout. Le couple a expliqué que c'était ce que Léna leur avait demandé pour son anniversaire et qu'il n'avait fait qu'exaucer son souhait. Amandine Pélissard, qui poursuit sa grossesse sereinement, a conclu par, chacun fait ce qu'il veut. I think